Alors tous ceux-là qui arriveront en Russie, sachez une chose, que le froid est un facteur désavantageux bien sûr, et à la fois qui avantage les étudiants studieux. Pour... Hey yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Eh ben écoutez, je vais un tout petit peu élever la voix parce que il y a de bruit, on va dire, tout autour de moi parce que je suis en cours de route, hein, voyez-vous. Alors je préférais parler du froid, hein, pour essayer un tout petit peu de corroborer simplement le sujet, on va dire, hein, à l'endroit, lier l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Donc voilà quoi, on parle du froid aujourd'hui dans cette vidéo, bien sûr, family. Eh ben écoutez, je ne vais pas définir ce que c'est donc c'est le froid. En tout cas, vous maîtrisez le sujet. D'ailleurs, tous ceux-là qui s'apprêtent à pouvoir venir ici en Russie, enfin, s'y attendent, on va dire, parce que la Russie est réputée, en dehors d'être un pays compliqué, un pays dur, mais un pays de grand froid. Family, nous sommes en plein dedans. Nous sommes déjà en période d'hiver, en période de grand froid. D'ailleurs, family, c'est pendant cette période où l'on reconnaît, où l'on met, on va dire, hein, ses attentes, sa persévérance, sa détermination, sa niaque à rude preuve. Pourquoi? Parce que c'est une période assez triste, on va dire, que ce soit pour les nationaux, les autochtones, ainsi que pour les étrangers, et surtout d'ailleurs pour les étrangers. Pourquoi? Parce que généralement, pendant cette période, on n'a pas assez souvent, on va dire, l'habitude de sortir, et surtout que certaines personnes, hein, qui sont assez, on va dire, friandes par rapport au froid, qui ne les supportent pas, préfèrent rester à la maison dans un endroit chaud, raison pour laquelle elles ne sortent pas, au fait. Voyez-vous, family, le froid est un désavantage considérable pour tout Africain. Enfin, tous ceux-là qui ont vécu en Afrique, bien sûr, puisqu'il y a quelques étrangers également, français, belges, autres occidentaux, qui ont passé plus de temps en Afrique, bien sûr, et préfèrent de loin l'Afrique, hein, par rapport au pays de grand froid. Mais pour tout Africain qui n'a jamais fait l'expérience d'un froid pareil que celui de la Russie, à savoir que ce sera un désavantage. Et ces désavantages ne sera que pour un premier temps, family, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que de 1, le froid, comme je l'ai dit tantôt, ne donne pas la possibilité à s'émouvoir constamment. Quand on est nouveau ici en Russie pendant sa première année, bien sûr, on peut s'y porter. Bien sûr, on peut se dire, voilà, je suis là pour un but et tout, je vais m'adonner. Mais c'est difficile, c'est très difficile. Quand bien même c'est difficile, mais on ne peut en aucun cas abandonner surtout. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui viennent ici, là, c'est pour une très bonne raison. Alors le fait de lier l'utile à l'agréable dans cette vidéo, c'est pour faire montre simplement, on va dire, hein, de tout ce qui en découle du froid. Family, vous devriez savoir qu'ici en Russie, le froid pèse sur la balance des désavantages pour les études ici en Russie. À savoir, quelque part, ces facteurs peuvent jouer en votre faveur. Pourquoi? Parce que du moment où vous n'avez nulle part où aller, quand bien même il y a des activités d'hiver, telles que la patinoire, telles que le hockey. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus pour essayer un peu de vous amener, on va dire aussi, hein, à réaliser les sports préférés des Russes, hein, qu'ils aiment exercer pendant cette période d'hiver. J'ai envie de dire, family, que le froid pèse sur la balance des désavantages d'étudier ici en Russie. Mais quelque peu, ça pourrait être un avantage. Un avantage, comment je m'explique? Du moment où vous n'avez nulle part où aller, du moment où il fait froid dehors, vous pouvez absolument, après le cours bien sûr, mieux vous concentrer pour faire des recherches, pour lire, pour s'apesantir sur tel ou tel autre sujet en rapport, bien évidemment, avec ce que vous aurez réellement à faire ici en Russie. Les études, les recherches et tout, c'est très très important. Très très, alors très important. Mais ce que moi personnellement j'ai remarqué, hein, pour aborder les sujets, est que beaucoup de ceux-là qui arrivent en Russie ne prennent pas conscience, hein, de ce que le froid peut causer dans le corps humain. À savoir, le froid, c'est une arme dévastatrice, family. Tous ceux-là qui arrivent ici en Russie doivent impérativement savoir que le froid est une arme qui détruit le corps, la santé surtout. Si nous mettons de doudous, nous mettons de jaquettes, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par plaisir au fait. C'est parce que nous sommes un tout petit peu obligés.
pour non seulement prendre soin de nous, mais pour préserver également notre santé familiale. Ce qui est très important. Il y a certaines personnes, quand elles arrivent ici, là, elles préfèrent s'habiller un tout petit peu, on va dire, hein, comme si elles étaient pendant l'été, comme si elles étaient encore en Afrique. Là, je suis dans le bus, hein, carrément, je me rends à mes courses. Ben, je préférais réaliser cette vidéo pour essayer de vous conscientiser également par rapport au froid. J'ai une anecdote en rapport avec sa famille. Et ben, j'ai eu un ami ici là qui s'habillait comme s'il s'est retrouvé encore en Afrique. Chose étonnante, au bout déjà de 3 mois, il est tombé malade. Et puis c'est que le médecin a retrouvé dans ses poumons des sécrétions d'eau carrément. Alors il avait complètement maigri. Il a souffert comme pas possible et pendant un long moment d'ailleurs. Et ce qui a amené à ce que, à ce qu'il soit interné pendant près de 3 mois dans un hôpital. Suite à quoi on appelait ses parents et ses parents se sont décidés de le rapatrier au Congo carrément, puisque c'est un Congolais, voyez-vous. Tellement qu'il adorait la sable, tellement qu'il adorait le matu vu aussi. Il s'est retrouvé, on va dire, hein, dans cette fameuse situation. Donc voilà, je viens de sortir carrément du bus. Le gars s'est retrouvé dans cette mauvaise situation. Pourquoi? Parce qu'il voulait jouer, on va dire, au match vu. Il voulait impérativement, on va dire, hein, prouver qu'il savait s'habiller, que le russe. Alors que c'était une bêtise, on va dire. Quand vous venez en Russie, suivez, on va dire, les us et coutumes d'ici là. Comportez-vous un tout petit peu, on va dire, comme un enfant adopté. C'est-à-dire, vous devriez suivre tout, alors tout, même les habitudes, certaines habitudes, c'est l'approprier parce que c'est important. Et tu sais, des relations avec des Russes, on apprend non simplement leurs habitudes, mais on apprend également à mieux vivre ici, là, et en connivence surtout, hein, avec le climat, avec tout ce qui suit. Puisque c'est très, très, alors très important. Voyez-vous? Alors, tous ceux-là qui arriveront en Russie, sachez une chose, que le froid est un facteur désavantageux bien sûr, et à la fois qui avantage les étudiants studieux. Pourquoi? Parce que c'est pendant cette période qu'ils se mettent réellement au travail et qu'ils donnent, on va dire, deux fois plus des niaques, deux fois plus, on va dire, le meilleur d'eux pour des résultats qui seront répercutés à la fin, on va dire, de l'année académique. Et qui pèsera sur la balance plus pour l'obtention de leur diplôme familier. Donc voilà, prenez soin de vous surtout. Je vais devoir m'arrêter là certainement. Sachez une chose, que le froid est une arme dévastatrice pour la santé carrément. Donc blaguez pas avec ça, blaguez pas avec ça. Si nous mettons de doudou, nous mettons de jaquette, nous mettons de bonnet, de chapeau et surtout de gants. J'ai envie de dire, ce n'est pas par amusement, soit ce n'est pas pour faire beau. C'est parce qu'il fait très très froid. Et d'ailleurs, eu égard aux années précédentes, j'ai envie de dire, le froid atteignait carrément 20 jusqu'à 30, deux fois jusqu'à 30 à 35, on va dire, degrés, moins 35. Imaginez un peu. Donc c'est un tout petit peu catastrophique. Donc prenez conscience de ça quand vous arriverez ici là. Ce qui est sûr est que vous allez vous habituer à vivre, on va dire, hein, dans le froid. Déjà, c'est mettre bien par rapport aux vêtements, par rapport, on va dire, hein, aux chaussures également. Et ce sera une excellente chose pour vous ainsi que pour votre famille, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que c'est un peu triste d'envoyer son fils, soit sa fille, étudier en Russie et d'apprendre au bout déjà d'une année que ce dernier ou cette dernière est tombée malade et qu'elle est au bord carrément, on va dire, hein, de la catastrophe. C'est ce que nos parents craignent carrément et nos familles qui sont en Afrique un peu partout craignent, j'ai envie de dire. Donc prenez soin de vous, prenez ça également en compte puisque c'est important. Allez, portez-vous bien, moi c'est Vimawete, ciao ciao.